Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories. Et aujourd'hui, on va juste voir ce qui va arriver demain, ce qu'ils ont annoncé pour demain, voilà, sur le jeu. Donc, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, vous voyez qu'il neige, voilà, qu'il neige là où... Enfin, dans la ville, quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas fait attention, il y a eu une mise à jour sur le Play Store hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont rajouté ce petit bouton là, voilà, qui vous permet de changer l'environnement, voilà. Soit il fait beau, soit il y a de la neige. Vous pouvez le mettre, voilà. C'est juste, je voulais vous en parler en cas où si vous l'aviez pas vu. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir la ville sous la neige, moi. Donc voilà, je me suis dit, ça pourra peut-être vous intéresser. Donc, on part direct pour les infos. Alors là, c'est justement ce qu'il y a eu mise à jour. Bon, voilà, on s'en fout. Et voilà, ce qui va arriver demain. Alors, demain, bon, ils ont annoncé le pack habituel qu'on a tous les mois. Enfin, à chaque fois, avec le type. Bon, voilà, moi, vous savez ce que je pense. Ne pas mettre de l'argent sur le jeu, voilà. Hein, ce que je pense de ces packs-là. Donc, voilà, je vais pas en parler plus que ça. Ensuite, ils ont... Enfin, à partir de demain, on aura aussi... un nouveau portail, un portail spécial feu cette fois avec Shizue et Benimaru. Alors, je vous le dis tout de suite maintenant, hein, pas besoin de faire une vidéo demain. Est-ce qu'il faut invoquer sur le portail ou pas? Non, voilà, ne pas invoquer sur ce portail. Voilà, ces deux personnages, ok, ils sont en write-up ici, mais vous les avez sur tous les portails. Donc, je ne vous conseille absolument pas de poule sur ce portail-là. Voilà. Comme ça, ça, c'est fait. Ensuite, bah, petite surprise, voilà, le jubilé arrive demain. Moi, je m'attendais à ce qu'il arrive la semaine prochaine. Mais non, il arrive dès demain, le jubilé. Donc, bah, voilà, on va devoir affronter la petite Milim, Milim qui sera terre. Donc, bah voilà, donc bonne chance à ceux qui vont faire le... à tous ceux qui vont essayer de faire le jubilé, voilà. Alors, je ferai sûrement une vidéo hein, pour le boss jubilé. Pas tout de suite, hein, il va falloir attendre ce week-end, je pense, que je fasse quelques try pour tester de mon côté, évidemment. Hein. Mais, voilà, 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 donc... tant mieux, ça fera des ressources en plus. Maintenant, je m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. Ensuite, on a aussi le petit événement où on pourra éveiller gratuitement, enfin, passer gratuitement en 5 étoiles le petit Yuki, hein, qui a un 4 étoiles de base, où vous pouvez le passer, enfin, vous pourrez, grâce à cet événement, le passer 5 étoiles. Si vous l'avez déjà 5 étoiles, les 5 doublons vont vous permettre de débloquer son passif, tout simplement, donc ça peut être utile aussi. Donc voilà, donc ça me fait plaisir, voilà, ça me ferait un autre perso 5 étoiles. En plus il est pas dégueulasse, je pense que qu'on verra, peut-être que je ferai une vidéo sur lui, on verra. Mais il est pas dégueulasse. Et ensuite, ils ont rajouté le. Enfin ils vont rajouter le niveau 61 pour la tour, voilà. Donc ça fait plaisir pour ceux qui ont déjà arrivé. Enfin, ils ont réussi à passer le niveau 60. Ben maintenant, on aura le niveau 61. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je suis pas encore là. Hein. Je suis toujours au niveau 30. Peut-être que ce soir en live, vu que oui, normalement, ce soir, il y a un live, hein, si tout se passe bien. Je ferai peut-être les niveaux de la tour, hein, tout simplement, pour monter le plus haut possible, pour voir où on pourra monter. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'ils ont annoncé. C'est quand même pas mal pour demain. Hein. Surtout le héros jubilé que je m'attendais pas à ce qu'il sorte tout de suite. On va appeler le combat de boss. Parce que héros jubilé, le jubilé, je sais jamais. Le combat de... Je m'attendais pas à ce qu'il arrive demain. Donc voilà, ça fait plaisir. Heureusement que le portail, ils ont pas rajouté un nouveau perso. Sinon, j'aurais pété un câble. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite annonce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao !